Lyon, 2h du matin. Alors que les motards de la police sont en patrouille... Albert, c'est pour toi. Ils sont appelés à intervenir sur un accident de la route. Je dirige sur cet accident pour assistance. Il y a au moins un blessé grave. L'intervention est urgente. Direction l'Ouest lyonnais. Ces motos peuvent monter à 200 km/h. 10 minutes de route, et voilà les policiers sur les lieux de l'accident. À bord de la voiture, ils étaient 5. Des jeunes d'une vingtaine d'années. Ah, ils ont du bol, hein. Ouais, c'est clair. Le major Albert Léon doit déterminer les responsabilités. Il va découvrir que le conducteur a beaucoup de choses à se reprocher. Qui est le conducteur du véhicule? C'est vous? Fallait vous abstenir de fumer, monsieur. Non, fumez pas. Fumez pas. Après. Le fait de fumer peut fausser la mesure de l'alcoolémie. Vous êtes le conducteur, ça c'est le passager, d'accord? C'est mon meilleur ami. D'accord, il s'est passé quoi? Il s'est passé que c'est moi qui conduisais, j'étais pas en état de conduire. Vous avez consommé de l'alcool? J'ai consommé de la drogue. Non, alors, regardez. D'accord. Vous avez consommé quoi comme stupéfiant? Du chichon, d'accord. Vous avez fumé combien de joints? Deux, trois joints. Ce soir, là? Ce soir. Bon, ben, procédure alcoolémie, stup en plus. Vous avez des kits de dépistage? On doit avoir ça aussi à toi, je crois. Oui, vous avez fait le mélange explosif, là? Non. Comme d'habitude. Allez. Chute et alcool. Et le major Léon n'est pas au bout de ses surprises. J'ai raccompagné mes collègues. J'ai pas le permis, j'ai pas le code. J'ai pas le permis. Il a fumé, il consommait de l'alcool, il a pas de permis. Voilà, le cocktail explosif, là, c'est le top. Voilà ce qu'on trouve régulièrement, qui est souvent la cause de nombreux accidents, nombreux décès de jeunes sur la route. Je sais pas, ils sont pas confiants. Un blessé seulement, mais il est mal en point, avec une fracture ouverte du bras gauche. Là, ce soir, il y a un truc, là, vous voyez le poteau en bois, vous le touchez ce soir, parce que votre copain est en vie, vous êtes tous en vie, tous les cinq. Et bah, il y a Charlon, j'ai eu un accident il n'y a pas longtemps, et on m'a dit pareil. Arrêtez-moi, vous avez fumé, vous êtes grammé, et en plus, vous n'avez pas de permis. Pas d'assurance. Et vous permettez de la ramener, là? Je me la ramène. Alors faites-vous tout petit, si vous voulez. Je me fais tout petit quand j'ai envie. Ouais, non, là... Malheureusement, j'écoute. Des jeunes imbéciles comme vous, ouais. Il y en a tous les jours qui puent leur faute, d'accord? Écoutez-moi. Alors aujourd'hui, je pense que vous allez vous taire et on ne veut pas vous entendre, d'accord? La leçon des policiers ne sert apparemment à rien. Devant notre caméra, l'un des passagers minimise les effets de l'alcool. Il avait bu de bière et c'est, à mon avis, c'est un type plus fort qu'il le pensait, en fait, c'est juste ça, enfin, je pense pas que l'alcool était pour plus grand chose que ça. Là, ça rappelle, t'as tout le long, là, tout le long. Pardon, et regarde les traces, il a loupé le virage, il est arrivé là, là, il a bouffé le trottoir, il s'est retourné. En voyant les traces sur la chaussée, les policiers pensent d'abord à des restes de la victime qui a eu le bras arraché. Mais à y regarder de plus près... Attends, j'ai eu peur, parce que là, tout à l'heure, on a vu les traces par terre, on a essayé, c'est du gras, en fait, non, c'est des merguez qui a décrasé. Ça coupe tout le trajet. Ouais, tiens, là, viens voir. En fait, les jeunes rentraient d'un barbecue bien arrosé, et leurs merguez ont voltigé hors du véhicule. Ça sent la vinasse, oh, putain, c'est pas mal. Ouais, et ben, ils ont du bol, hein. Ils ont de la chance, ils sont vivants. Ils sont 5, les 5 sont vivants, voilà. Je suis content de l'état de la voiture, hein. Ça, c'est une agglomération. Imaginez en race campagne où ça prend deux fois la vitesse qu'il y a ici. Je donne pas cher de leur peau. Il faut maintenant acheminer le blessé vers l'hôpital le plus proche. On part sur Lyon Sud en déchocage. Mais pourquoi on fait une escorte? C'est assez important quand même. Il est assez choqué, des blessures assez importantes. Donc on va essayer de pas trop traîner. Ces patrouilles de nuit ont été mises en place récemment à Lyon. Grâce aux motards, la police peut désormais intervenir plus vite.
Elle peut aussi porter assistance au SAMU et aux pompiers. Le blessé sera hospitalisé 8 minutes plus tard. C'est N69 de TJ740. Quant au conducteur, il pourra être poursuivi pour défaut de permis aggravé. Ce soir, il n'en a pas conscience, mais il risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Lyon, troisième agglomération française, 1 400 000 habitants. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi forces de l'ordre, pompiers et urgentistes du SAMU. Ces derniers mois, les braquages se multiplient dans la région lyonnaise. Nous avons pu suivre le travail des gendarmes pendant l'attaque d'une bijouterie et la course-poursuite engagée contre les malfaiteurs. Pour la première fois, les policiers lyonnais ont accepté notre présence au long cours dans leur patrouille de nuit. Contrôle routier, accident de la route, escorte des véhicules de secours, nous verrons comment les citoyens lyonnais réagissent à leurs interventions. Nous découvrirons les pompiers du centre de Lyon. Avec 11 000 interventions par an, la caserne Corneille est l'une des plus actives de France. Et nous avons pu filmer côté coulisses, au centre d'alerte. C'est là qu'arrivent tous les appels au 18. Un lieu qui nous réserve aussi son lot de surprises. Quant aux équipes du SAMU, elles se tiennent toujours prêtes à décoller dans le ciel lyonnais pour les interventions les plus sensibles. Nous accompagnerons les médecins au moment crucial quand, en quelques secondes, ils doivent faire un choix déterminant pour la vie de leur patient. Gendarmerie de Pont-de-Chéruy, dans l'Est lyonnais. Il est 10h15 en ce lundi matin et la semaine va commencer avec un événement d'une importance exceptionnelle. 6 individus, véhicule Mercedes. Avec des masses. On a une direction de fuite, on a quelque non, chose. C'était encore sur place. Prenez le HK, on prend un HK, un pont. Un braquage est en cours. C'est le patron d'une bijouterie qui vient d'appeler depuis son arrière-boutique. Les malfaiteurs sont encore dans son magasin. Wow, je vais prendre la 206. Hein. C'est quoi comme description de véhicule ? J'ai un Mercedes. Merci. 4 individus cagoulés armés de masse. Toute la brigade est mobilisée. L'alerte vient de ce centre commercial situé à seulement 1 km de la brigade. Il faut s'y rendre au plus vite, car il y a une chance d'intercepter les braqueurs en flagrant délit. L'adjudant Fabrice Peugnet est en première ligne. Le centre opérationnel diffuse les informations dans tout le département. À tout le monde, sur Digne-Jamézieux, 4 personnes dans le magasin cagoulé, grand costaud, vêtu de noir avec blouson Bombers. Un conducteur resté à bord du véhicule de marque Mercedes, gros modèle de couleur gris. À ce moment-là, la voiture des braqueurs est en train de se positionner devant l'entrée du centre commercial. Grâce à la vidéosurveillance, le service de sécurité peut les suivre en direct. Soudain, les malfaiteurs ressortent un sac à la main. Ils sont cagoulés et armés, puis ils prennent la fuite. Les gendarmes sont en train d'arriver. La Mercedes traverse les parkings à toute allure. À quelques secondes près, les hommes vont parvenir à s'échapper. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. La direction qu'ils prennent est immédiatement communiquée aux gendarmes. C'est d'ici que sont dirigées les opérations, avec maintenant 32 hommes sur le terrain. Tu passes, prends par la direction là, je prends la direction de Beaugoin. Mission confiée à l'adjudant Peugnet, partir à la poursuite des malfaiteurs. Ouais, tu m'entends ? Il y a une direction de fuite en direction de Beaugoin. Ils ont fait la bijouterie avec 4 individus armés. Dans toute la région, un dispositif est mis en place pour intercepter la Mercedes. Ils ont pris cette route-là, donc il y a des barrages qui vont être mis un peu plus loin, donc on avise la compagnie Bourgoin qui se trouve un peu plus loin. Diverses patrouilles vont se mettre en barrage sur les axes principaux. L'hélicoptère de la gendarmerie est également mobilisé. Grâce à son équipement vidéo, il va peut-être parvenir à repérer la voiture en fuite.
L'appareil adopte la technique de l'escargot. L'hélicoptère s'éloigne peu à peu du lieu du braquage afin de balayer la zone la plus large possible. Alors que la course-poursuite bat son plein, d'autres gendarmes sont dans la bijouterie pour faire les premières constatations. Les braqueurs se sont dirigés vers les bijoux les plus précieux du magasin. Ils ont tenté de briser les vitrines avec des haches, mais dès le premier coup sur ces vitres, le système anti-effraction s'est déclenché. Un rideau blindé s'est mis en place devant les bijoux. Les malfaiteurs sont repartis bredouille. Le centre commercial, ultra moderne, est équipé de plusieurs dizaines de caméras. Les gendarmes se rendent au PC sécurité pour découvrir les images. Avec eux, nous allons pouvoir revivre le braquage comme si nous y étions. Alors que les familles font leurs courses paisiblement, les braqueurs arrivent en courant avec leurs armes et leurs sacs. Une mère de famille affolée prend son enfant par le bras. Les quatre hommes crient. Ils demandent aux clients de se coucher par terre. Devant la bijouterie, une femme s'exécute. Cet agent de sécurité, lui, n'obéit pas. L'un des braqueurs le met en joue avec son fusil à pompe. L'homme garde son sang-froid. À l'intérieur du magasin, les malfaiteurs ne pourront donc rien dérober. Leur fuite est filmée par une autre caméra située dans le hall. Là, le premier, c'est une hache. Là, un pistolet, un canon. Ah, une hache. Voilà. Il y a une hache à la main. Non, lui, fusil à pompe. C'est un fusil. C'est un canon. Quatre portes. Une doudoune. Une veste de survêt avec un bas de survêt. Jean. Les premiers éléments d'enquête s'accumulent. Tout est allé très vite, moins d'une minute, les quatre hommes plus le conducteur ont pu prendre la fuite. Mais les gendarmes lancés à leur poursuite vont bientôt retrouver la trace de cette Mercedes. Nous voici à l'aéroport de Bron, d'où a décollé l'hélicoptère de la gendarmerie. Sur le tarmac, d'autres appareils sont stationnés, celui du SAMU et celui de la sécurité civile. Ce jour-là, la médecin urgentiste Gaëlle Comte doit embarquer pour porter secours à un homme victime d'un arrêt cardiaque. L'hélicoptère permet à Gaëlle d'arriver au plus vite. Dans ces circonstances, chaque seconde compte. Bonjour, ça a choqué une fois ? Oui, on a choqué à 14h50. Ok, ça marche. Bonjour, messieurs. 18 minutes que le cœur d'un homme d'une cinquantaine d'années s'est arrêté. Il était avec sa famille, s'est plaint d'une grosse douleur au thorax, puis s'est effondré. Les pompiers ont tenté un choc électrique avec leur défibrillateur, sans succès. Allez, go. Il n'a pas inhalé, il n'a pas vomi ? Non. Bon, on va essayer de le récupérer. Allez, vas-y, masse, parce que là, on perd du temps. C'est une course contre la montre. Allez, go. Pour faire repartir le cœur, Gaëlle fait une injection d'adrénaline. Et elle ne cesse de motiver les pompiers pour qu'ils poursuivent sans arrêt le massage cardiaque. Mais le cœur ne répond pas. On masse bien énergique, on y va, ok ? À fond, vas-y à fond. À fond, voilà, impec, c'est bon, 38, on va le récupérer les garçons. À fond. Le cœur vient de repartir. Pas de problème. Plus vous massez efficacement, plus ce chiffre il est bon. Donc entre vous, vous pouvez voir aussi. Donc là, le score à battre, c'est 38, ok ? Gaëlle est peut-être en train de sauver une vie. Mais l'enjeu est maintenant d'éviter les séquelles. L'effet du massage cardiaque, la plupart des gens pensent que le massage cardiaque, il a pour mission de relancer le cœur. C'est pas vrai. Un massage cardiaque relance jamais le cœur. Un massage cardiaque, en fait, il a pour seule mission, et c'est déjà énorme, de permettre d'avoir de façon mécanique une perfusion cérébrale suffisante pour que le cerveau de la personne ne soit pas endommagé le temps qu'on fasse repartir le cœur. On a 46, c'est bon ? On a 2 secondes, c'est parfait. Allez, on récupère, on y va. Le cœur bat de mieux en mieux. Allez, mon gars, on part. Mais Gaëlle ne peut prédire dans quel état sera la victime au réveil. Je vais juste... Est-ce que je peux te laisser juste le surveiller, s'il te plaît, que je parle à sa femme, avant qu'on sorte. Ça marche ? Bonjour, madame. Bonjour. Je suis le médecin. Oui, alors... Vous avez compris un peu ce qui s'est passé ? C'est parce qu'il y a un malaise cardiaque. Voilà, c'est ça. Sauf que, en fait, son cœur s'est arrêté. Oui. Pendant 20 minutes. D'accord. Donc,
Au niveau cérébral, pour l'instant, on ne peut pas réellement se prononcer. Oui, d'accord. D'accord. On va l'emmener rapidement. Pour des raisons pratiques et pour aller plus vite, on va poser, parce que s'il y a un endroit pour poser sur, à l'hélicoptère, d'accord, pour qu'il ait tout de suite l'examen, vous savez, où on va voir les artères, d'accord, et voir s'il y a besoin de redéboucher une artère. D'accord. Parce que c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. D'accord, okay. D'accord. Vous avez quelqu'un qui peut vous emmener là-bas? Oui, oui. Ouais. Est-ce que vous... Je sais. Je sais. Est-ce que vous voulez le voir avant qu'on parte? Non, non, c'est bon. Comme vous voulez. Il est conscient? Non, là, il est... c'est le respirateur qui le fait, d'accord, respirer. Donc, c'est pas la peine. D'accord. Mon collègue va récupérer les papiers et puis on y va vite et on se voit là-bas. D'accord, d'accord. Attention à vous. Ouais, ok. Ouais, ok, ça marche. J'adore le travail en équipe, la façon dont on travaille ensemble en fait. C'est-à-dire, on vit des trucs très forts, en petit nombre, ça nous soude, on vit des événements très forts et ensuite ça change, on vit des événements très forts avec d'autres. C'est fort techniquement, émotionnellement, c'est vraiment addictif. Patient une fois sur un accident à route et en fait j'ai rien pu faire. Quand on est arrivé, il était conscient et pour une raison technique on pouvait pas le sortir et donc en fait il est mort et sa femme a voulu me voir après pour discuter avec moi, essayer de comprendre ce qu'il a pu vivre dans ses derniers instants. C'est assez rare que les gens demandent. Et c'était assez fort de vivre ça avec elle parce qu'à la fin elle m'a dit: je suis contente qu'il soit morte avec vous parce que vous êtes douce. Cette fois-ci, l'homme victime de l'arrêt cardiaque survivra pendant une semaine avant de succomber. Selon les statistiques, 3 victimes d'arrêt cardiaque sur 4 décèdent dans le mois suivant leur attaque. Retour dans l'est de la région lyonnaise avec les gendarmes. Il y a Crémieux qui est en barrage un peu plus loin. Donc nous, on va tourner en direction route de Bourgoin. Ils sont à la poursuite des braqueurs de la bijouterie. Après leur tentative, les 5 hommes cagoulés et armés avaient réussi à fuir. Mais voilà les voitures et l'hélicoptère de la gendarmerie lancés à leur trousse. Et au bout de 20 minutes... ...de survoler un véhicule en train de brûler. On ne peut pas distinguer le type du véhicule, mais vu le gabarit, ça pourrait bien être ça. Une voiture en feu a été repérée à une dizaine de kilomètres du braquage. Le commandant Fèvre se dirige vers le lieu de l'incendie, au beau milieu d'une forêt. Ah, ça fume. Merci à vous, commandant. Bonjour. Au bout de la route, une berline de luxe complètement ravagée par les flammes. C'est bien la Mercedes utilisée par les malfaiteurs. Les 5 hommes sont certainement repartis dans un second véhicule qu'ils avaient garé auparavant dans cette clairière. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose, on a un cavalier là, qui est venu sur le secteur qui n'a pas vu le véhicule et une randonneuse qui a vu le véhicule brûler, mais par contre qui n'a pas vu le véhicule rouler derrière. Donc, complètement isolé ici, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Les traces de roues là, c'est les pompiers? Oui, ça c'est aussi pour nous. A priori, pas de témoins. Et peu d'indices, les plaques d'immatriculation ont fondu. Mais de toute façon, il s'agissait de fausses plaques copiées sur un véhicule du même modèle. Les pompiers cherchent maintenant une petite inscription métallique, conçue pour résister à toutes les températures. Alors là, on cherche un numéro de série, parce que chaque véhicule a un numéro de série. Il y en a un certain nombre, à mon avis, sur celui-ci. Ça servira au moins à connaître le lieu où le véhicule a été dérobé. Et peut-être avoir des éléments sur le vol au départ. On apprendra ainsi que la Mercedes avait été volée 10 jours plus tôt, dans le département voisin de l'Ain. Les gendarmes commencent à compiler toutes les informations possibles. À leur disposition, il y a ces précieuses vidéosurveillances enregistrées par le centre commercial. Souvenez-vous, on y voit les braqueurs armés de haches et de fusils à pompe. Ils pénètrent dans la galerie marchande en criant
et en menaçant tous ceux qu'il croise. À l'intérieur de la bijouterie, deux femmes vont vivre les secondes les plus longues de leur vie. Ces deux vendeuses, que l'on retrouve l'après-midi même du braquage, avec un calme impressionnant, elles nous racontent ce qu'elles ont vécu. Quand j'étais avec le mec, il me tenait par le bras et j'entendais bam, bam, bam. Et je me suis dit, mais c'est quoi ces bruits, d'où ça sort? Là, on voit encore. Ce sont les coups de hache contre les vitrines. Vous êtes là en train de travailler et de suite, vous voyez derrière vous deux hommes cagoulés en vous disant, bougez pas, ça va bien se passer. Je vous demande si c'est réel. Ouais, on a cru à un canular, quoi. Moi, j'étais juste là au niveau de la télé en train de changer une pile et je me suis mise. Cachée dessous. Je me suis demandé ce qui va se passer, il va se retourner, il va faire quoi, il va me prendre. Enfin, voilà, après, vous imaginez plein de choses, quoi. Je veux dire, on voit tellement de choses qu'après, on s'imagine également plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez pesant la minute à tenir. À ce moment-là, le système anti-effraction se déclenche. Un rideau blindé se lève pour protéger les vitrines. Le plan des braqueurs est en train de tourner court. Ils se dirigent alors vers Claire, la jeune vendeuse, qui va craindre le pire. Tout de suite, quand il est arrivé, il m'a pris par le bras et il m'a amené vers l'extérieur de la boutique. Donc oui, là, j'ai eu peur de la prise d'otage parce que j'entendais qu'il disait que le rideau se levait, donc il fallait partir. Et moi, quand ils ont voulu partir, le monsieur me tenait toujours par le bras. Donc c'est vrai que j'ai eu peur d'être prise en otage. Et puis finalement, quand j'ai vu qu'ils m'ont ramené à l'intérieur de la boutique pour me demander d'ouvrir les vitrines, là, j'étais un peu quand même soulagée de rester dans le magasin. Ouais. Même avec sa clé, Claire ne peut plus ouvrir la vitrine, complètement bloquée par le blindage. Les braqueurs décident de repartir bredouille. Ces vitrines-là, elles étaient quand même plus accessibles. Et ils ne sont pas prises parce qu'elles avaient moins de valeur. Avec le recul, les vendeuses réalisent que les braqueurs sont allés directement vers les vitrines les plus précieuses. Il y en avait derrière ces vitres pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les trois, c'est les plus chers du magasin. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà venus avant pour repérer. Parce que des personnes qui ne connaissent pas le magasin, ils ne seraient pas venus directement là. Si les malfaiteurs ont repéré les lieux, ils ont donc été filmés. Cette caméra, à l'intérieur du magasin, a sans doute enregistré, dans les jours précédents, des hommes intéressés par ces vitrines. Les gendarmes vont réclamer au patron les fichiers vidéo et comme vous le verrez, ils vont faire une curieuse découverte. On retrouve le major Albert Léon au guidon de sa BMW 1150. S'il a voulu devenir motard dans la police il y a 20 ans, c'est pour réaliser un rêve de gosse. Oui, je me souviens d'une photo que mon père m'avait prise à Noël où il m'a offert une panoplie. Et c'était une panoplie de motards, en l'occurrence. Je devais avoir 6 ou 7 ans. J'ai réalisé mon rêve quelques années plus tard. Et pourtant, Albert n'a pas tout de suite intégré les forces de l'ordre. Il a commencé comme ambulancier, puis il est devenu pompier professionnel, avant finalement de passer le concours de la police. Aujourd'hui, il dirige le service des motards d'une main de maître, les qualités que tout le monde lui reconnaît. Pointilleux, méthodique, j'aime ce que je fais. Un peu trop au goût de mon épouse, où je passerai peut-être des fois plus de temps au travail qu'à la maison. Et même des fois à la maison, je m'empêche pas des fois de travailler un petit peu, de passer des coups de fil aux collègues qui sont sur le terrain. Le soir même, le major Léon va justement devoir intervenir lui-même sur une affaire difficile à démêler. Il s'est passé quoi à la base alors, monsieur ? Je me fais écraser en arrivant à peine en bas du concert. Au début, les policiers pensent que l'homme au t-shirt jaune, qui circulait à vélo, a failli se faire écraser. Mais l'affaire est plus compliquée. Les occupants du véhicule ont une autre version des faits. Je passais en voiture, il était à côté, il nous a vu, il nous a craché dessus. Ses crachats sont sur la voiture. Ensuite, il a pris son vélo, il a commencé à taper sur la voiture. Et il a voulu se sauver, on l'a attrapé. On lui a dit, tu vas rester là, tu sois responsable. Et... C'est eux qui m'ont écrasé, ils ont voulu m'écraser. Comme dans toute enquête, les policiers commencent à recueillir les identités. Ils constatent alors que le jeune cycliste est complètement terrorisé. Vous êtes tenu de laisser vos coordonnées. Vous êtes tenu de laisser vos coordonnées. Voilà, c'est que eux, ils vont les donner. Oui, vous êtes obligé de donner, monsieur. Eh, monsieur, faut laisser vos coordonnées là pour que vous puissiez échanger. Hein.
Non, c'est pas possible, parce qu'elles vont laisser son chemin, ils vont me niquer. Attendez, on n'est pas des copains, monsieur, là. Oh, ils vont me casser la gueule. Non, mais ils vont me niquer, putain, les gars. Oh, les gars, oh. Oh, on n'est pas copains, monsieur. On n'est pas des copains. Je vais pleurer, quoi. C'est vrai qu'ils ont des têtes de méchants, vraiment. Regardez, ils ont des grosses dents. Voilà. Ils ont pas mangé. Mais c'est pas les mêmes gens que dans la voiture, ils ont fait venir leurs potes. Qu'est-ce que je fais, moi? Putain. Bah écoutez, s'il y a des dégradations sur la voiture, de deux choses l'une, soit c'est vous, soit c'est pas vous. Mais ça a été avant. Ah ben, le problème, c'est qu'on n'est pas là pour constater. On n'a pas constaté l'accident, je veux dire. On n'a pas constaté l'accident, le G, on n'a rien vu, donc. Sur le vélo, les policiers retrouvent une bouteille d'alcool. Mais ils soupçonnent surtout le jeune homme d'avoir consommé de la drogue. Il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que vous êtes... je sais pas, vous avez un comportement, vous êtes tremblant, vous transpirez... Consommez des stupéfiants, monsieur ? Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de vélo... Non, est-ce que vous consommez des c'est pas le problème. Non, entre autres, c'est pas la question. Non, mais je vous réponds rien du tout, parce que c'est pas le problème. Si je transpire, c'est parce qu'il fait chaud, qu'il fait lourd, et que je viens de monter en vélo de Vez. Vous comprenez ou pas ? Si vous le prenez comme ça, là... Attendez, on n'est pas des copains, monsieur, là. Le cycliste accepte finalement de donner ses coordonnées. Les policiers le soupçonnent de raconter n'importe quoi, d'autant que les occupants de la voiture sont, eux, très calmes et coopératifs. Alors, ce qu'on va faire, voilà. Mais faute de preuves, le major Léon décide de mettre un terme à la discussion. Oui, le collègue de la police secours a pris vos identités. Maintenant, vous, chacun de votre côté, vous allez contacter votre assurance. Votre assurance viendra chercher les renseignements qu'elle jugera nécessaires auprès du commissariat sur la main courante. D'accord ? Ça marche comme ça ? La balle est renvoyée aux assurances. Ce soir-là, l'homme au t-shirt jaune aura eu la peur de sa vie. Je sais pas, je vais rentrer chez moi parce que j'en peux plus. En fait, ça m'a tellement vidé que j'entrais en encore. Ah, mais c'est fait dessus, non ? C'est ça ? Ouf ! Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Je crois que c'est la peur. Que... T'as su rendre le vélo en bon état, hein. On a laissé quelques gouttes dans le... Je vous rends vite fait parce que là, c'est vraiment les heures retournent. Hein. Quelques heures plus tard, c'est au tour des pompiers de passer à l'action. Ils viennent d'être alertés pour une agression. Ces deux étudiants lyonnais ont fait une mauvaise rencontre en sortant de boîte de nuit. Ils étaient en mode alcoolisé. Ah, monsieur, vous n'avez pas de traitement ? Pas de traitement médical. Sans vouloir être stéréotype, il y avait quand même un mec en mode casquette et tout. Ouais, t'inquiète mec et tout. On est en mode vas-y, fais chier, fils de riche, vas-y. Moi je te tue, tu vois. Donc il y avait un pain, tu vois, un gros pain, tu vois. Alors que pourtant, enfin, écoutez-moi, ok, enfin certes, un peu en plus en mode super riche, quoi. Enfin, perso, moi j'ai. Enfin, je bosse en tant que serveur pour un resto, enfin, il y a pas de raison, quoi. Mais chier, quoi. L'étudiant blessé peut recevoir les premiers soins, puis il sera transporté à l'hôpital. Cette fois, l'appel aux pompiers aura donc été utile. Mais comme vous allez le voir, de nombreux appels passés au 18 n'aboutissent pas à une intervention. Nous voilà dans les coulisses des pompiers, au cœur du dispositif d'alerte pour tout le département du Rhône, le CTA, Centre de traitement de l'alerte. Lionel Maître est l'un des hommes les plus chevronnés du service. Nous allons le filmer dans son travail, au téléphone. Premier appel. Oui, les pompiers, bonjour. Allô. Alors, on joue avec le téléphone. Allô. Tu veux te passer quoi ton papa ou ta maman, s'il te plaît, bonhomme? Oui, bah passe-moi tes parents. Il est où, papa? Elle est où, maman? Papa. Oui, passe-moi ton papa. Ah non, c'est pas papa, madame. Ah ça non. Oui, bonjour madame, les pompiers à l'appareil. Je suis désolée, ma fille, elle a plein son portable. Ah, c'est la petite fille qui joue avec le portable. Et le clavier n'est pas verrouillé. Oh, pensez... Verrouillé, eh non, pensez à verrouiller le clavier du portable. Et puis surtout, le téléphone portable, c'est pas un jeu pour l'enfant. C'est clair. Merci. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Ah, c'est le type d'appel fréquent. C'est très fréquent. Ah oui, c'est très fréquent. Les enfants qui jouent avec les téléphones portables, c'est incroyable le nombre de gosses qui peuvent jouer avec.
Deuxième appel, un cas très fréquent là aussi. Les pompiers, bonjour. Allô? Allô? C'est un sac à main. Appel sac à main, donc le portable s'est déclenché dans la poche de la personne. On entend bouger, on entend quoi. Enfin, on entend la famille qui parle derrière. Allô? Très fréquent. Allô? Voilà, on s'en rapproche. Ça, c'est très fréquent. Troisième appel, un autre type d'alerte inutile. Les pompiers, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ah là, c'est quelqu'un qui t'a... Oui, d'accord. Eh bien, tourne la tête parce que je viens de te prendre en photo. Voilà. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui téléphone dans une cabine téléphonique. J'ai l'adresse de la cabine téléphonique qui se trouve sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Donc, ce que les gars ne savent pas, ce que les gens ne savent pas, c'est que les cabines sont répertoriées. Et on peut envoyer les secours, voire la police, à cette adresse-là. Les pompiers, bonjour. Il est même arrivé à Lionel de recevoir des appels encore plus inattendus. C'est une femme à 3h du matin qui ne trouvait pas le sommeil, qui téléphonait aux pompiers pour lui trouver une solution. Je lui ai répondu tout simplement qu'il fallait qu'elle s'allonge, qu'elle ferme les yeux, et puis qu'elle compte les boutons de panurge. Elle n'a pas bien apprécié l'humour, mais bon... À 3h du matin, faire le 18 pour demander comment s'endormir, donc c'est peut-être un petit peu... Au total, 4 appels sur 5 n'aboutissent pas à une intervention. Difficile à gérer pour les pompiers, qui doivent rester vigilants pour les vraies alertes, celles qui nécessitent tout leur sang-froid et leur réactivité. C'est le cas de l'appel suivant. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je vous explique, j'habite à Lyon, à côté de la place des Terreaux. Oui. On a une infiltration d'eau dans l'appartement qui coule sur le parquet. Oui. Mais sincèrement, je me fais du souci pour la vieille dame qui habite au-dessus qui ne répond pas. Et je voudrais pas qu'elle ait fait un malaise ou un truc comme ça. Pour tenter de retrouver la mamie qui ne répond pas, les pompiers sortent leur véhicule préféré, l'échelle. Elle va leur permettre de pénétrer dans l'appartement par la fenêtre, sans avoir à enfoncer la porte d'entrée. Nous voilà dans le premier arrondissement de Lyon, entre les deux fleuves de la ville, le Rhône et la Saône. Vous partez sur quoi ? Personne ne répondant pas aux appels. Donc ça peut être... On ne sait pas. L'appartement concerné se trouve tout en haut, à l'angle de l'immeuble. Ça va être chaud. Hein. On va juste se baisser là avec les câbles. Les câbles du tramway rendent la manœuvre délicate. Doucement, stop, stop. Oh ! Après plusieurs tentatives, Jean-Marc et son collègue finissent par arriver devant l'appartement de la vieille dame. Demande s'il y a quelqu'un. Attends, avant de pénétrer. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Mmh. Vous pouvez me montrer, c'est le pompier là ! À l'intérieur, ouais. Quelqu'un a répondu, mais personne ne se montre. Attends, mais ils sont où là ? Vous êtes où là ? Laisse-les venir à la fenêtre. Il vaut mieux être prudent. Il y a quelque temps, dans les mêmes circonstances, un déséquilibré a sorti une chevrotine et a tiré sur les pompiers. Jean-Marc et son collègue, sur leur garde, décident quand même de pénétrer dans l'appartement. Personne dans la chambre, ni dans le salon. Vous êtes où ? Oh ! Les gens qui ont répondu restent introuvables. Jean-Marc décide de retourner dans la chambre où il a vu tout à l'heure une forme suspecte. Mais ce n'est qu'une bouillotte. Personne et pas la moindre fuite d'eau.
Les pompiers n'ont pas frappé à la bonne porte. La voix qu'ils ont entendue tout à l'heure venait peut-être d'un appartement voisin. Ils continuent leur recherche lorsqu'enfin, une fenêtre s'ouvre en haut de l'immeuble. Dites-moi s'il y a de l'eau chez vous. Cette femme vient de se réveiller. Elle n'avait pas vu la fuite d'eau dans son appartement et elle n'avait pas entendu frapper à sa porte. Tu vas voir des collègues qui vont être de l'autre côté, vous allez leur ouvrir. Vous êtes fait réveiller par qui ? Aujourd'hui ? Oui. Par 5 pompiers, très beaux garçons. Réveil agréable, enfin, un peu envahissant. Voilà. Bien sûr. Cette fois, l'opération se termine bien. Mais dans ce genre de situation, les pompiers ne savent jamais à quoi s'attendre. Il leur arrive fréquemment de retrouver des personnes décédées à leur domicile. Deux jours après le braquage de la bijouterie, dans l'Est lyonnais. Quatre hommes, armés de haches et de fusils, avaient fait irruption dans une galerie marchande. Ils avaient tenté en vain de dérober les bijoux les plus précieux de ce magasin. Du fait d'un système de sécurité efficace, ils étaient repartis bredouille. Ce matin-là, le gendarme Simon Klein retourne sur le lieu du crime. Son objectif ? C'est d'analyser les points faibles du site. Pourquoi est-ce que cette bijouterie a été choisie par les malfaiteurs, d'une part, et ensuite voir qu'est-ce qui peut être amélioré pour éviter que ça se reproduise. C'est ce qu'on appelle la PTM, prévention technique de la malveillance. Ça, c'est la sortie de secours qu'ils ont empruntée, c'est celle-là. Et ils sont sortis par les portes qu'il y avait là, quoi. Voilà, par les portes qui sont là-bas. Ce qui intrigue le plus les gendarmes, c'est la question de la vidéosurveillance à l'intérieur de la bijouterie. Curieusement, l'enregistrement avait été désactivé 15 jours avant le braquage. Et sur les 30 derniers jours, depuis le 27 octobre, en fait, vous n'avez plus d'image. Apparemment, ils s'arrêtent depuis le 27 octobre. Et toutes les caméras ont été arrêtées ? Toutes les caméras. Impossible, du coup, de rechercher le visage des hommes venus repérer les vitrines avant le braquage. Et plus mystérieuse encore, même la société responsable des enregistrements n'a aucune explication. Vous pensez que les malfaiteurs auraient pu intervenir pour désactiver eux-mêmes cette vidéosurveillance ? Non, là on accède quand même à la sécurité d'un système informatique. Je pense que dans un film c'est possible, mais en réalité c'est quand même protégé, quoi. Il y a quand même des protections par mot de passe, par nom d'utilisateur, il faut se connecter sur l'adresse IP. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Le patron de la bijouterie se rappelle soudain avoir observé ses caméras à distance, sur son smartphone. Il aurait pu alors faire une fausse manipulation. Depuis le jour du braquage, la vidéosurveillance a été rétablie dans son magasin. Le gendarme Klein écoute ensuite le témoignage de Claire, la jeune vendeuse, afin d'évaluer sa réaction, savoir si elle a eu la bonne attitude. Vous étiez à cet endroit-là quand ça s'est passé ? Souvenez-vous, c'est elle qui avait craint d'être prise en otage. Ils m'ont précipité justement là-bas et m'ont demandé d'ouvrir une vitrine. En obéissant aux malfaiteurs, sans paniquer, sans vouloir s'opposer à eux, elle a eu le bon réflexe. En permanence ? Oui, donc j'ai ouvert et... Le rideau était baissé. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre, ce genre de choses. Les biens, je dirais que ça devient presque secondaire dans ce genre d'action, puisqu'on est face à quelqu'un qui est armé, qui peut faire des dégâts humains, qui peut engendrer des blessés, voire des morts. Donc le but est vraiment d'éviter ça. Une simple crise de panique peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Ce service de prévention de la malveillance n'existe que depuis quelques années dans la gendarmerie. Les conseils prodigués sont très appréciés par les victimes qui ont vécu ce genre d'événement. Pour finir, le gendarme Klein refait le trajet des braqueurs. Ils ont pris la fuite par cette issue de secours. Dans leur précipitation, ils ont donné un coup de hache dans la porte. Or, cette sortie est située tout près de la bijouterie. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans la démarche des personnes qui sont venues, c'est la bijouterie, elle est juste à gauche. Au pire, on peut faire ça et ressortir juste après. Ça aurait été tout au fond, avec aucune sortie, dans un rayon de 50 mètres, il faut courir plus longtemps. Surtout que ça peut être plus litigieux. Un diagnostic comme celui-là pourra permettre d'améliorer l'aménagement des galeries commerciales. Du côté de l'enquête, les braqueurs courent toujours pour l'instant, mais une information nouvelle est parvenue à la gendarmerie. Une information qui va conduire les forces de l'ordre vers le monde du grand banditisme.
Vendredi soir, dans le centre de Lyon. C'est le début du week-end. Le major Léon se met à sillonner les routes de la ville Lumière. Il est de patrouille pour toute la nuit. Alors qu'il s'arrête à ce feu rouge, les motards observent les voitures qui arrivent sur la gauche. Leur feu vient de passer au rouge également, et un homme traverse sans même ralentir. Les motards le rattrapent immédiatement. Vous savez pourquoi je vous arrête, monsieur ? Non. Pas du tout ? Non. Vous venez de franchir deux feux rouges. Deux feux rouges ? Deux feux rouges. Non. Si. Je vais bien vous montrer les feux rouges, venez voir. Je suis pas du tout un mentir. Ah non, non, mais on n'a pas dit que vous avez menti, non ? Allez, passez vite, attendez-moi. Vous voyez le sens interdit là-bas ? Ouais, ouais, ouais. Juste derrière, c'est le feu. Et le second, il est où? Ça clignote à l'orange, là. Mais je suis pas passé au rouge. Ah, si, si. Je vous garantis que vous êtes passé au rouge. Hein. Pardon. Non, mais je connais le pain. Ah oui, mais on le connaît aussi, et je vous garantis que c'est... Vous venez, s'il vous plaît? Mais vous avez pas une preuve vidéo? Je vois que vous avez tout... Mais non, mais il n'y a pas besoin d'avoir une preuve vidéo. Ah bah, c'est on, est assez, sûr, hein. On est assez remontés, on est trois. On est trois à l'avoir constaté. Ça va arrêter les gens pour le plaisir de les arrêter, c'est pas... Cette preuve vidéo, nous l'avons sur nos images. Revoyons de plus près. Après le premier feu grillé, le jeune homme a passé celui-ci comme si de rien n'était. Même si on lui montrait la preuve vidéo, c'est, vous êtes sûr que c'est bien moi et... Souvent les gens réagissent comme ça. Oui. Ah, oui. Souvent c'est vous êtes sûr que c'est moi, vous êtes sûr que c'est pas un autre et... Vous êtes sûr que j'ai bien grillé, mais il n'était pas orange? Orange mûr, genre fruit de la passion. Non, non, quand on le constate, il est rouge, il est rouge. Hein. En l'occurrence, il était bien rouge. Vraiment grillé ce feu. Oui, si on vous le dit, monsieur. C'est vraiment pas mon style, quoi. Si on vous le dit, ça a été fait. Parce que je le fais, enfin... Non, on n'a pas dit que vous l'avez fait sciemment, mais voilà, ça a été fait, ça a été constaté. Hein. De toute façon, en matière contraventionnelle... Mais je vous ai même pas vu, je veux dire, comment vous auriez pu voir, si même moi, j'ai même pas remarqué. On l'a vu, moi, je vois. L'homme repartira avec 90 euros d'amende et 4 points en moins. Il peut s'estimer heureux, les policiers auraient pu doubler la mise pour les deux feux grillés. Un peu plus loin, les motards viennent d'arrêter un conducteur en excès de vitesse. Ils le suspectent d'être en état d'ivresse. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on appelle un tout petit peu ? Non, on a bu un verre chez les amis. Un verre ? Oui, tout à fait. Non, vraiment, raisonnable. Vous savez, je conduis en plus, je vais perdre, etc. Je sais qu'un verre, vous craignez rien. En fait, l'homme est en train de mentir. Il a bu beaucoup plus qu'il ne le dit. Pendant environ 10 secondes, sans vous arrêter. Et il va tout faire pour gagner du temps, histoire de faire baisser son taux d'alcoolémie. Ah non, je ne voulais pas 10 secondes, monsieur. Non, mais j'ai... Comme ça, monsieur, regardez. D'accord, encore, c'est bon, encore, allez, encore. Manquez de souffle, vous êtes... En cherchant à retarder la mesure, l'homme, sans le savoir, joue peut-être contre son camp. Il dit avoir bu son dernier verre il y a une demi-heure, il pense donc que son taux est en train de baisser. Or, c'est l'inverse, le taux atteint son maximum une heure après la dernière consommation. Gonflez bien. Je souffle pendant 10 secondes. Je expirez, je gonflez la cage thoracique et vous expirez correctement, d'accord? Allez, et ben voilà. Oh, mais oh. Là, j'ai l'impression que vous le faites exprès, monsieur. Ouais, là, vous le faites exprès. Donc là, on est correct avec vous? Oui, je suis correct. Ce genre de comportement, le major Léon connaît bien. Sans vous arrêter. Sans vous arrêter. Vous fermez vos lèvres correctement et vous soufflez. Ah, oula, 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 c'est trop fort, trop fort. On vous a dit pas fort, monsieur. C'est typique. C'est typique, c'est le comportement de Fernand Reynaud. Quand ils n'arrivent pas à souffler sur la bougie, c'est pareil. Là, je commence à avoir des doutes. Ah, ben voilà. Vous êtes positif. Les policiers conduisent le jeune homme au poste de police. Ouais, on va le passer à des kilomètres. Il va souffler dans un autre appareil pour mesurer précisément son taux d'alcool. Après plusieurs tentatives, le verdict finit par tomber.
Allez, jusqu'au bout, encore, encore, allez, c'est bien, encore, on poursuit, on s'arrête plus, on s'arrête plus. Si, encore, c'est presque au bout, c'est presque au bout. C'est bon, là. Ah bah voilà. 0,86, 0,87. Ça fait quoi, ça? Ah bah, ça fait 1,7 g carrément. Face à la vérité, le jeune finit par fondre en larmes. 1,7 g, directement. Ah oui, c'est énorme. Quand il nous disait j'ai bu un verre, c'est un verre, ouais, mais peut-être un grand verre. Donc là, ouais, directement garde à vue. Le jeune homme sera convoqué au tribunal. Son permis est immédiatement suspendu. La patience des motards aura été mise à rude épreuve, mais elle aura permis de neutraliser un homme qui, ce soir-là, n'aurait jamais dû prendre le volant. À quelques kilomètres de là, les urgentistes et les équipes de la sécurité civile viennent de décoller. Un nouvel arrêt cardiaque est signalé. Cette fois-ci, c'est le cœur d'une femme de 75 ans qui ne bat plus. Nous allons suivre le médecin Claudia Châtelut. Elle va avoir la lourde tâche d'annoncer un décès à toute une famille. On prendra le scope, le respi et les deux femmes. L'équipe arrive sur place une demi-heure après l'arrêt cardiaque. C'est un arrêt, c'est ça ? Cela s'est passé au cours du repas. Et c'est arrivé devant vous ? Oui, oui, moi j'ai d'accord. Tourné, elle avait faim, on était en train de préparer quelque chose, et dans le chemin des trompes, ça a fait de se tomber, on a compris, elle était partie. D'accord, elle n'a pas avalé de travers avant ? C'est... Et là, je lui ai enlevé un morceau de viande de la bouche. D'accord, ok. Effectivement, il y a de la viande encore. Voilà, tu peux me donner la sonde ? Injection d'adrénaline, choc électrique, massage cardiaque, rien n'y fait. Le cœur ne repart pas. Claudia décide de parler à la fille de la victime. Vous êtes sa famille ? Sa fille. Bon là, pour l'instant, on continue la réanimation, mais il n'y a pas de reprise en fait. Il y a l'âge, il y a plein de choses qui font que... Son cœur va moins bien tolérer le fait de ne pas avoir eu d'oxygène. Ouais. Donc là, on continue un petit peu, mais son pronostic est assez... Mais depuis, ça fait quelques jours, de toute façon, ça va pas. Elle a pas de force, elle n'est pas vraiment bien, quoi. Bon, là, on va encore continuer un petit peu la réanimation. Mais bon, il faut savoir que même si le rythme cardiaque reprenait, il y a une période de temps où il n'y a pas eu d'oxygène. Ouais. Ouais. Donc il y aurait forcément des séquelles au niveau cérébral. Il y a mon père qui est à côté aussi. Vous êtes son mari ? Oui. Je suis le docteur. Docteur Chastu. Venez, moi, à côté. Asseyez-vous. J'ai un ancien pompier. J'ai pris le pouls. Elle a avalé quelque chose de travers, en fait. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, elle n'avait pas d'oxygène, pas assez d'oxygène. Et donc, son cœur n'avait pas assez de force, si vous voulez, pour pallier à ce manque d'oxygène. J'ai entendu le dernier soupir. On a juste un peu... Vous arriviez. Après avoir signé le certificat de décès, Claudia peut repartir vers la base hélicoptère de Bron. C'est pas évident d'annoncer ça. Voilà. Non, c'est pas évident et je pense que pourtant c'est très important parce que c'est la première phase du deuil. Pour pouvoir faire le deuil, il faut que l'annonce elle soit faite correctement, qu'il y ait des explications qui soient données. Tout ça c'est pour aider par la suite la famille en fait en deuil. Claudia a même laissé son numéro de portable à la famille. La femme décédée avait 4 enfants. Ils pourront appeler le médecin s'ils le souhaitent pour bien comprendre comment, ce jour-là, leur mère les a quittés. Du côté du braquage dans l'Est lyonnais, l'enquête se poursuit. Les gendarmes ont reçu une information du parquet. Ils sont dessaisis de l'enquête. C'est la police judiciaire de Lyon qui va conduire les investigations. Et pour cause, le mode opératoire du braquage fait penser à une bande organisée. Depuis quelques mois, dans la région lyonnaise, ce genre d'attaque se multiplie, notamment contre les bijouteries. L'or, aujourd'hui, le marché de l'or est extrêmement élevé. L'or se revend, je ne sais pas à combien, mais ça fait quelques années qu'on le constate. Vous voyez pousser tous ces magasins de rachat d'or. Pour cette tentative de vol à main armée,
les malfaiteurs risquent 20 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Mais ils courent toujours. La police judiciaire de Lyon n'a pour l'instant pas réussi à les interpeller.